Elle n'était habitée presque que par des vieillards qui mouraient si rarement que c'en était pitié. Il lui fallait parfois quelques cercueils pour l'hôpital ou la prison, mais en un mot, les affaires ne marchaient pas. Si Yakov Ivanov avait fait des cercueils dans un chef-lieu, il eût certainement possédé une maison et on lui aurait donné du Yakov Matveïch. Mais dans cette mauvaise petite ville, on ne l'appelait que Yakov. Dans la rue, on l'avait même, on ne sait pourquoi, surnommé Bronza. Et il y vivait, pauvre comme un mouchi, dans une vieille isba d'une seule pièce, où s'entassaient de compagnie lui, Marfa, le poêle, un lit à deux places, les cercueils, l'établi et tous les ustensiles du ménage. Il était clair maintenant que la vieille mourrait très vite. Yakov se retournait dans son lit. Il se leva 5 ou 6 fois pour jouer du violon. Yakov fabriquait de bons cercueils solides. Pour les moujiks et les artisans, il les faisait à sa taille, sans se tromper jamais. Yakov avait laissé passer ses occasions. N'avait rien fait. Quelle perte. Il acceptait sans empressement les commandes de cercueils d'enfants. Yakov réfléchit qu'il n'aurait que profit à mourir.